Bonsoir tout le monde, comment nous y? Je vous ai mal présenté une leçon que nous fait vidéo sur QuickBooks. Nous apprenons qui j'ai créé une entreprise sur QuickBooks dans moins de 10 minutes. Qui s'est intéressé nous là? Ça, c'est logiciel a déjà ouvert sur machine là. Nous allons dans la barre de menu. Dans la barre de menu, nous allons sur File. Nous cliquons sur New Company. OK. Nous cliquons sur New Company. Il y a une interface qui est ouverte, nous, elle est automatique. Let's get your business set up quickly. Espoir start. Là, nous allons remplir le formulaire sur QuickBooks Banois. Là, c'est notre entreprise, nous allons demander pour nous taper. HP, c'est cabinet. Information. Dans quel type d'industrie là, nous allons évoluer, c'est Help Me Choose. Et QuickBooks Banois, en série de. En base de données sur quel type d'industrie que nous avons enregistré business sur. Si que vous pas joindre, nous avons option order. Just point order. Nous avons qui secteur d'activité. Bon, ça, c'est secteur d'activité, il était dans nous. Nous avons là, quel type de société ou bien de compagnie vous voulez faire? Est-ce qu'ils sont société en collectif? Une société anonyme? Est-ce qu'ils sont coopératives? Bon, si sont société en collectif, nous avons ça. Ça, c'est Tax ID. Généralement, ça, c'est série code du barreau DGI. Sous baguette, tout pour le moment, qu'a toujours créé entreprise ou à ce QuickBooks. Bon, là, lui-même, c'est sous qui employé qui vous dit yes, sous baguette, non. Et sous baguette, pour gagner, un futur. Dans le futur, ou quoi ça? Après ça, j'ai spécifié, continue. Là, c'est adresse entreprise ou pour m'aider là. C'est numéro 13. Fermat, zone du plan 2, dans quelle série, c'est Port-au-Prince, ok, qui state généralement c'est Haïti, c'est HI pour Haïti, zip code là lui-même, si pour joindre, nous allons aller sur Google, on va mettre Tafou zip code, Delma zip code, Port-au-Prince zip code. Pour faire maths, par exemple, c'est HT 6121. Pour pays, sous base de données QuickBooks, pas gain Haïti, pas là, ouais, c'est là, nous pouvons constater ça. Étant donné qu'il y a une bonne option pour order, juste pour order. Ça, c'est le numéro de téléphone, nous. 3778-1106. Ça, c'est email où vous mettez là. Un message d'email. Ça, c'est website, tout si bien, sous bien website, vous mettez là. Sous pas bien tout, c'est mon problème. Alors, sur JSPZ, create company. Nous avons constaté là, compagnie ça a été registré déjà sous nous ça. Juste changer nous pour nous enregistrer les sous desktop là. Ok, nous constatons que QuickBooks a enregistré l'information que nous valions. Après là, on est à 50%. Et c'est que là, enregistrer toute information là que vous sortiez Bali ou là, qu'on a là. OK. 90% qu'on a. Là, 100%. OK. Voilà. Et interface là que vous allez venir présenter qu'on a là, vous allez nous l'autre interface qui You've got a company file, now had your info, had the people you do business with. Had the products and services you sell, had your bank accounts. Bon, étant donné que nous pouvons observer avec ça aussi des options avancées, nous allons aller dans Start. On clique sur Start Working. Donc, l'autre interface qui va apparaître là encore, qui va nous accéder pour nous commencer le travail sur l'entreprise que nous créons. Et nous allons constater ça. Sur l'interface ça, nous allons Enter Bills, Pay Bills, Quit Sales Receipts. Receive payments, refunds credits, turn on payroll, enter time, estimates, quit invoices, sell orders. Bon, il y a plusieurs options que QuickBooks ben nous, si que nous voulons commencer à faire transaction. Bon, ça qui intéresse nous là, c'est que nous petit toujours, nous programmons dans QuickBooks. Et nous avons constaté que on fait qui monte automatiquement, nous pouvons observer avec nos fenêtres. Nous pouvons aller dans barre de menu, nous pouvons aller sur Company. Nous descendons dans My Company.
Voilà. On va constater que toute information de temps entrée sur QuickBooks là, il est enregistré vraiment. Et nous constater ça là. QuickBooks ben nous en licence là, mais qui vient nous enregistrer là, ça c'est nous, entreprise nous. Hein. Si adresse nous, numéro de téléphone nous, ça c'est email nous, tout ça. Et là, on a une option avancée. Soudain, mais setup dégâts fiscal, année fiscale ou setup là. Après ça, juste peser. Ok. Après ça, juste fermer ça. Ok. Bon, ça montre nous dans moins de 10 minutes. Nous souhaitons créer une entreprise sur QuickBooks, addition bar qui est très facile. Et l'autre série de vidéos va montrer nous qui j'ai pour nous commencer à faire transaction. Bon, moi, il est Hippolyte Lucien. Si vous voulez contacter moi pour une formation avancée sur QuickBooks, c'est dans 37 78 11 06 ou bien email nous dans newhippo@commercial.gmail.com. Numéro 1, c'est 37 78 11 06. En forme, en forme.